Bonjour, messieurs. Bonjour. Mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs de guinematin.com, nous sommes avec le maire de Matam, Ismaël Condé. Alors, aujourd'hui, notre entretien va porter sur l'assainissement de la commune de Matam. Comme vous le savez, récemment, le gouvernement, sous l'égide du président de la transition, le président du CNRD, le colonel Mamadou Doumbouya, en marge d'un conseil de ministres, a pris l'initiative de lancer l'opération de l'assainissement de la ville de Conakry. Alors, cette initiative Conakry Ville Propre a refait surface à Conakry. Donc, à cette occasion, le coup d'envoi a été donné et il est retenu désormais que chaque premier samedi de chaque mois, et ces opérations d'assainissement de la ville de Conakry vont avoir lieu. Et alors donc, à la veille de ce samedi 6 août 2022, cette opération va se poursuivre dans la ville de Conakry. Nous sommes avec Ismaël Condé, avec qui nous allons échanger sur non seulement les préparatifs de cette opération d'assainissement, mais aussi et surtout les difficultés liées à cette activité d'assainissement que nous savons pas facile, hein, et cela date depuis toujours. Et c'est une question de santé, c'est une question en tout cas sociale. Et la salubrité avant tout. Alors donc, monsieur le maire, nous sommes à quelques heures de cette opération d'assainissement dans la ville de Conakry, dans le Grand Conakry. Alors vous, dans votre commune de Matam, comment est-ce que vous vous préparez à cette opération d'assainissement, tout d'abord? Merci beaucoup à Guinée Matin d'être là ce matin pour prendre les informations concernant à l'organisation de cette première journée au temps du CNRD consacrée à l'assainissement dans le cadre de l'organisation de cette journée civique. Et effectivement, dans le souci de responsabiliser nous, les collectivités, conformément à l'article 29 du Code des collectivités locales, notre ministre, qui est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, nous a informé que désormais, le premier samedi de chaque mois sera institué journée civique consacrée exclusivement à l'assainissement dans nos quartiers. Donc, quand nous avons appris ce communiqué, nous avons été très enchantés parce que enfin, le code de collectivité commence à être appliqué concernant le devoir des collectivités en termes de prise en charge des mesures idoines concernant l'assainissement des collectivités, comme le fait sortir à l'article 29 de notre code de collectivité. À l'annonce de ce communiqué, nous, à la mairie de Matam, nous avons pris ce problème à bras le corps en organisant déjà un point avec les cadres techniques, parce que nous avons mis en place déjà un comité technique en charge de l'assainissement qu'on appelle le CCTA, qui coordonne toutes les activités d'assainissement dans notre commune. Nous avons réuni les chefs services techniques de l'habitat, des travaux publics, le directeur des micro-réalisations, le vice-maire en charge de l'assainissement et les PME qui évoluent dans nos quartiers pour faire cette première réunion concernant l'établissement des mesures concrètes pour faire de cette journée civique une réussite dans notre commune. Qu'est-ce qui a lieu de faire? Nous avons déjà recensé tous les points noirs qui causent d'énormes difficultés aujourd'hui en termes de salubrité, les points où vous allez voir les tas d'immondices, même s'ils ne sont pas très nombreux chez nous, mais nous avons quand même essayé de recenser ces points noirs. Aujourd'hui, au sein de notre collectivité, ces points noirs sont répertoriés au nombre de 6 zones. Donc, les 6 zones ont été répertoriées qui commencent déjà du carrefour à Limasé sur la route de Niger après le ministère de la Sécurité en venant vers Mafanko. Donc, à ce niveau, jusqu'au carrefour Imprimerie, nous constatons qu'en cas de forte pluie, l'ensemble des canalisations qui permettent de drainer les eaux de pluie, ces canalisations sont obstruées aujourd'hui, ce qui occasionne l'inondation au niveau des 4 quartiers de Kolea, Kolea Cité, Kolea Imprimerie, Kolea Domino,
écolaires centres qui sont aujourd'hui inondés en cas de pluie. Nous avons jugé ce point comme un point critique qui doit bénéficier de cette première journée d'assainissement, des actions concrètes. Donc après, nous avons vu aussi au niveau de la corniche, à partir de l'école primaire, la Haute-Marée, jusqu'à la villa de Marcel Cross. Cette zone aussi a été jugée comme un point noir dans le cadre du problème de salubrité, parce que toutes les canalisations qui desserrent les quatre quartiers de Madina, Madina Bosque, Madina École, Madina Centre et Madina Cimetière sont aujourd'hui aussi inondées en cas de pluie, parce que les canalisations qui permettent également dans ces quartiers de drainer les jeux de pluie vers la mer, ces canalisations-là aussi sont obstruées. Nous avons cité cette zone-là sur la Corniche comme une zone critique qui doit bénéficier des actions concrètes dans le cadre de la journée de demain. Il y a aujourd'hui le carrefour Tafagui, de Tafagui jusqu'au Constantin. Vous savez que je suis en train de faire des travaux. Les travaux là aujourd'hui qui sont réalisés par la société Ezico causent aujourd'hui de nombreux problèmes en termes d'insalubrité au niveau des quartiers de Boussoura, des quartiers de Tougoundi, et tous ces quartiers-là aujourd'hui sont affectés par ces travaux. Donc nous avons jugé d'apporter des solutions concrètes pour ces quartiers. Et puis aujourd'hui, au niveau de la mosquée Abdul Salam, qui est le secrétaire communal de notre ligue, les quartiers aujourd'hui qui traversent aujourd'hui Bonfim, Bonfim Routière, Bonfim Port, au niveau d'un centre qu'on appelle Kiribouyi, aujourd'hui qui est une zone critique aujourd'hui en termes d'insalubrité, qui doit aujourd'hui faire face à des actions demain concernant l'assainissement. Évidemment, nous n'avons pas oublié la gare routière de Madina, de la gare routière Madina jusqu'à Avaria sur l'autoroute. Quand vous passez aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a pas mal de mondices qui sortent de nos marchés, qui ne sont pas aujourd'hui ramassé par la société Al-Barak qui commence à constituer aujourd'hui des points noirs en termes de salubrité qui ont été recensés aujourd'hui. Tous ces points-là ont été recensés et ont été envoyés au ministère de l'administration des territoires et de la décentralisation pour être recensés, parce que nous avons été invités par le ministre de l'administration, les 6 maires de Conakry, 5 maires de Grand Conakry plus le nord de la délégation spéciale de Kassa, pour faire remonter ces points noirs, pour que le ministre puisse prendre en charge ces points noirs pour pouvoir apporter des solutions. Qu'est-ce qui a été décidé au département? Au département, on nous a demandé d'envoyer la liste des points noirs et la liste des équipements. Nous avons envoyé la liste des équipements en termes d'équipements aujourd'hui, parce que nous, on a fait une réunion avec les chefs de quartier pour leur demander d'envoyer, de mobiliser les quartiers aussi pour pouvoir faire face à ça. Chaque quartier a envoyé ses besoins. En termes de besoins, nous avons demandé 24 camions, parce que un camion, parce que maintenant on compte 24 quartiers, 24 camions, c'est ce qui correspond à un camion par quartier. Et puis nous avons demandé aussi en termes de tractopelles, les tractopelles qui nous permettent aussi de faire le curage, nous avons demandé 14 tractopelles. En termes de brouettes, nous avons demandé 240 brouettes à raison de 10 brouettes par quartier. Et en termes de pelles, nous avons demandé 240 pelles. Nous avons demandé 480 râteaux. Au total, nous avons demandé 1200 bottes, 1200 gants, 1200 balais, 240 râteaux, 480 pelles, 240 brouettes, 14 pouclins et 24 camions bennes, pour que cette journée puisse être une réussite dans notre commune. Voilà les principales recommandations, mesures que nous avons prises à notre sein, que nous avons remontées au département. Oui. Est-ce que vous avez remonté au niveau du département? Est-ce que vous espérez que cela peut être à disposition bien avant que l'opération ne soit lancée demain sur le terrain? Mais écoutez, ça, c'est les besoins que nous avons exprimés. Mais quand nous avons reçu les populations hier, nous avons demandé aux populations aujourd'hui qu'il faut que la population puisse aujourd'hui se responsabiliser en termes de ces actions civiques. Parce qu'ils nous ont demandé des balais. Je dis, OK, on trouve aucun ménage aujourd'hui à Matam qui ne dispose pas un balai dans sa construction. Il faut qu'on sache déjà que le gouvernement vient en appui. Mais l'assainissement, c'est un problème civique. Nettoyer devant sa maison, on n'a pas besoin de vous octroyer des moyens pour que vous nettoyez devant vos maisons. Le minimum qu'un citoyen doit faire aujourd'hui, demain,
dans notre commune, c'est devant sa concession que chacun puisse déjà nettoyer devant sa concession. Et que regrouper ces déchets, nous allons nous mobiliser pour envoyer les moyens en termes de brouillettes et consorts pour prendre tous ces déchets nettoyés au niveau de chaque concession pour les envoyer vers un point de regroupement où les camions viendront ramasser ces ordures pour les envoyer. C'est pas la solution, mais c'est un départ de quelque chose. Parce que si nous, chacun fait ses efforts, je pense que les PME qui sont aujourd'hui dans les quartiers, qui font leur mission de ramassage, vont avoir beaucoup plus de travail parce que les PME vont prendre les déchets des ménages. Les PME n'ont pas pour contrat de faire le ramassage public des déchets qui sont sur la devanture de chacun. Mais si chacun s'occupe déjà à nettoyer devant chez lui, moi je pense que c'est un début d'assainissement dans nos collectivités. En plus de tous ces matériels que vous avez demandé dans le cadre de l'assainissement, est-ce que vous avez aussi initié des campagnes de sensibilisation dans les différents quartiers pour inviter les uns et les autres, les citoyens, à s'approprier de cette initiative, de ce que vous avez mis en place comme moyen pour passer à l'assainissement? Est-ce que ces campagnes sont déjà initiées sur vous? Bien sûr que ces campagnes ont été initiées depuis hier, parce que dans la réunion que nous avons faite avec les quartiers hier, nous avons tenu à inviter les responsables religieux. Les imams étaient hier présents dans cette réunion. Nous les avons invités à faire passer dès ce soir, dans le sermon de vendredi, le message du CNRD concernant cette activité citoyenne qui est déjà un principe religieux. L'islam nous recommande la propriété. Que chacun fasse des efforts pour faire son lieu d'habitation, son lieu de vie, un lieu propre, est une forme d'adoration de Dieu. Parce que Allah dit hier, lui-même disait que Dieu a dit trois choses par rapport à la propriété. Dieu a dit que lui, il est propre. Dieu dit qu'il aime la propriété. Dieu dit qu'il aime les gens qui sont propres. Déjà, faire en sorte que là où nous sommes soit propre, c'est une forme d'adoration. Les imams se sont accaparés de ces messages et ils vont faire passer ces messages aujourd'hui au niveau de leur serment de vendredi. Et ce soir, après la prière de crépuscule, ils vont passer ces messages pour inviter les citoyens à se mobiliser dès demain pour que chacun puisse rendre son lieu d'habitation propre. En plus de cela, nous avons mobilisé les moyens. Tout à l'heure, après la prière, nous allons envoyer les campagnes mobiles avec des prières publiques pour inviter encore les gens que c'est demain, à partir de 8 heures, la journée civique d'assainissement va commencer sur toute l'étendue du territoire de Matam. Et ces équipements sont prêts, les haut-parleurs sont prêts, les hommes qui doivent faire passer ces messages sont prêts, équipés. Et dès après la fin de la prière, ces personnes-là, qui sont au nombre de trois groupes aujourd'hui, vont sillonner les 24 quartiers que compte notre commune pour faire passer ces informations, pour dire que la journée d'assainissement commence demain à 8 heures. Et dès demain à 7 heures, ces prières publiques aussi vont ressortir encore pour informer les gens à partir de 8 heures que chacun est invité de s'accaparer des moyens qui se trouvent à sa disposition pour sortir, rendre propre nos quartiers comme ça se fait ailleurs. Voilà les dispositions que nous avons prises au sein de la mairie pour faire cette journée d'assainissement civique demain une réussite au sein de notre circonscription. Balayons notre maison, balayons notre devanture. C'est un tout petit peu ce slogan que vous avez pour le nettoyage de l'assainissement de votre commune. Exactement, un citoyen, un balai. C'est déjà le message fort que nous avons lancé. Il faut que chaque ménage de Matam demain puisse s'approprier d'un balai en termes d'action civique pour sortir, dire que la propriété est une question d'intérêt national, de santé publique. Aujourd'hui, vous voyez, quand il pleut, les gens sont inondés partout. Parce que les ordures qui se trouvent aujourd'hui dans ces caniveaux, les ordures ne viennent pas du ciel. Ce sont des ordures que nous, les citoyens, nous produisons. Il va falloir que nous prenions ce problème à bras de corps pour rendre notre environnement propre. Ensemble, unis et solidaires, nous pouvons faire de notre capitale un havre de paix où la propriété règne. Votre commune a le plus grand marché du pays, hein, qui reçoit le plus grand monde. En tout cas, beaucoup de citoyens, que ce soit de l'intérieur ou de Conakry, se retrouvent au marché de Madina, le plus grand marché de la Guinée. Et
partout il y a l'homme, il y aura de saleté. Alors, est-ce qu'il y a une commission qui est déjà mise en place pour travailler en étroite collaboration avec les responsables des marchés, du grand marché de Madina et les citoyens qui cherchent leur vivre? Effectivement, les administrateurs du marché, des marchés de Matin ont été invités hier. Les 6 marchés que compte notre commune, le marché de Koléa, le marché de Bonfin, le marché de Mbalia, le marché de Avaria, le marché de Enipra, plus les administrateurs des gares routières. Parce qu'en plus d'avoir les plus grands marchés, nous avons les plus grandes gares routières. Quand vous prenez aujourd'hui les quartiers de Boussoura, ce sont des gares routières à ciel ouvert où les camions chargés de dizaines de marchandises débarquent et chargent tous les jours à destination des différentes capitales de la sous-région. Dakar, Sierra Leone, Monrovia, Guinée-Bissau. Toutes ces marchandises du port sont directement échangées à Matam. Matam reçoit aujourd'hui plus d'un million de personnes par jour, en plus de ces marchandises, ce qui fait notre commune aujourd'hui une commune qui est 10 fois plus exploitée par rapport à sa capacité réelle. Une population de 177 000 habitants qui reçoit 1 million de personnes par jour, ça fait quand même 10 fois plus sa capacité. Ça fait beaucoup d'ordures, beaucoup de monde qui doivent être drainés tous les jours. Si nous ne sommes pas accompagnés par rapport à tout ça, là, nous allons nous trouver vite débordés et ce qui nous arrive, c'est-à-dire ce qui nous reçoit par rapport aux moyens que nous avons pour répondre à tout ce monde n'existe pas. C'est pourquoi il faut une solidarité de nous-mêmes les Matanka pour répondre à cet appel. Et c'est ça que nous avons fait hier. Nous avons invité les administrateurs du marché, nous avons invité les syndicats des transporteurs, nous avons invité les administrateurs des gares routières pour donner des recommandations pour que le moment aussi puisse se mobiliser pour faire de cette action civique demain une réussite. Est-ce que dans les gares routières, au niveau des marchés, au niveau des lieux de travail, dans les bureaux, est-ce qu'il y a des poubelles qui sont déjà prévues pour un tout petit peu ramasser les ordures et les y mettre? Mais demain, il y aura des camions déjà. Après avoir fait le ramassage, les ordures ne vont pas rester sur la voie publique. Ces ordures seront directement ramassées et mettre dans les camions pour envoyer dans les décharges. C'est l'une des actions que nous avons prévues demain et nous espérons que l'ensemble des moyens que je viens de vous citer pourrait être mobilisé demain pour que quand les citoyens se mobilisent et ramassent et que ces ordures ne restent pas encore devant leur domicile, ce sont des mesures qui existaient avant parce que ces journées existaient avant. Ce qui faisait l'échec de ces journées, quand les citoyens se mobilisaient, faisaient des curages, faisaient des collectes ces ordures et ces ordures n'étaient jamais ramassées, ça devenait des dépotoirs sauvages. Finalement, l'action civique qui était derrière tout ça avait perdu tout ce sens. Et cette fois-ci, le président de la transition, le colonel Mamadou Doumbouya, avec le ministre de l'administration, ont dit que tous les membres allaient être mobilisés pour que cette journée ne soit pas une journée de feu de paille cette fois-ci, que ce soit une réelle journée civique où les citoyens eux-mêmes vont s'accaparer pour faire de notre Conakry une capitale propre. Faire de notre capitale une capitale propre. Alors, l'autre volet, c'est probable que les autorités de haut niveau mettent en place un dispositif sécuritaire, c'est-à-dire la police, peut-être même la gendarmerie, je ne sais pas, pour la circulation, pour assurer la circulation. Et il se peut même qu'on empêche à des usagers de circuler demain pour permettre cette opération d'assainissement, de ramassage d'ordures. Mais comment est-ce que tout cela se passera? Parce qu'on sait qu'il y a des citoyens qui vont essayer de se rendre au niveau des hôpitaux. Et s'il y a des barrages, comment est-ce que vous avez réfléchi à cette problématique qui pourrait empêcher certains citoyens malades dans l'urgence de se rendre dans les hôpitaux? Mais effectivement, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, dans son communiqué, a invité à la mobilisation générale dans les communes, les districts, les quartiers et les constructions, les marchés, les gares routières. Et le ministre a dit que les services de sécurité sont chargés à tous les niveaux de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la circulation routière aux véhicules de sécurité, aux véhicules d'ambulance pendant les 5 heures consacrées à l'assainissement. Demain, de 8 heures à 12 heures, la circulation va être réglementée parce que c'est une action civique. Une action civique, ça veut dire que ça concerne tous les citoyens, partout où tu sois. Nous avons pris des mesures déjà, le marché va être fermé.
mais le marché sera ouvert pour les vendeuses de condiments, pour que nos chères épouses et nos chères mamans puissent venir acheter les condiments pour aller nous faire des bons repas après cette dure labeur d'assainissement, pour que nous puissions nous restaurer. Donc, la partie condiments va être ouvert et les boutiques et les kiosques seront fermés jusqu'à midi. Donc, comment ça va se passer? Ça va se passer que pour les situations d'urgence, les malades, les véhicules de police, les véhicules de gendarmerie et les ministres qui vont être déployés pour venir superviser cette action d'assainissement dans les communes où ils vont être affectés, vont recevoir des laissez-passer pour pouvoir se déplacer. Et les cadres aussi qui sont indispensables, parce que le ministre a été clair hier, chaque cadre où tu habites, tu seras affecté dans cette commune ou bien dans ce quartier pour faire tes actions civiques. Donc, sauf les cadres dont la présence sera obligatoire pour les travaux. Donc, les dispositions ont été prises pour donner les laissez-passer aussi à ces cadres dont le déplacement est obligatoire pour venir faire ces travaux. Donc, toutes les dispositions ont déjà été prises pour limiter la circulation, pour que chacun puisse faire librement son action civique, parce que imaginez, vous êtes en train de nettoyer, les autres sont en train de circuler dans les véhicules, donc ça envoie un message de découragement. C'est pourquoi ça a été dit que tout le monde se mobilise de 8h à midi pour faire ses actions civiques. Après-midi, la circulation sera autorisée, chacun peut vaguer librement à ses occupations. Chacun peut vaquer librement à ses occupations. C'est sur ce terme-là que nous allons mettre fin à cet entretien. Mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs, voilà, nous étions avec le maire de la commune de Matam, avec qui nous avons échangé un tout petit peu sur cette problématique de gestion d'ordures, d'assainissement de la ville de Conakry, et très particulièrement dans la commune de Matam. Alors, il nous a rassuré que... En tout cas, le maximum possible, les dispositions sont en tout cas déjà prises au niveau de la commune de Matam pour cette opération d'assainissement. Et il continue encore à prendre des mesures pour rendre opérationnelle, rendre réelle cette opération d'assainissement, surtout dans la commune de Matam. Merci beaucoup, monsieur le maire, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci.